Bonjour Le verbe « faire »,« hacer » est irrégulier en français, « tiempo presente ». Bueno, es lo que vamos a ver. Y vamos a ver de qué manera es irregular. La primera forma es « je fais ».« Je fais » con la contraction possible que se dice « je fais ».« Je fais ». No parece fácil de decir, pero podemos hacer un esfuerzo. « Je fais ». Así que « je fais quoi, moi ?» Hey, que hago yo? Je fais quoi, moi? Llega à je fais quoi, moi? Je fais quoi, moi? La seconde forme est tu, tu fais. Tu fais, tu fais quoi? Que ases? Tu fais quoi? qui? claro que no hay contraction que podemos hacer. Il fait, il fait, elle a assez, il fait, il fait, il fait ce qu'il veut assez, elle assez, lo que quiere, ou il fait ce qu'il veut, y fait ce qu'il veut. Está libre, il est libre. Elle fait, elle fait, elle fait, en français parlado, elle fait, elle fait des bêtises, elle a assez tonteria, elle fait des bêtises. On fait, on fait, on fait des choses, On fait des choses. Hacemos cosas. On fait. Nous faisons. Y aquí es interesante porque en el verbo, la primera parte, la letra A y la letra I normalmente así juntas se pronuncian E en francés. Pero escuchan aquí. Nous faisons. Y es una irregularidad. Hay una irregularidad en la pronunciación. Nous faisons. Nosotros hacemos. Nous faisons la cuisine. Nous faisons la cuisine. Esta forma también es irregular. Vous faites. Vous faites. Nada que ver con la seta que normalmente encontramos cuando tenemos el pronombre vous. Vous faites des bêtises. Vous faites des bêtises. Ils font. Y la contraction est ils font. Ils font. Ils font leur possible. Ils font leur possible. La forma femenina ellas es elles. Elles font. Que llega a ser en francés hablado. Elles font. Elles font. Elles font du vélo. Vélo es bicicleta. Elles font du vélo. Bueno. Ahora la forma negativa del verbo. Je ne fais pas. Je ne fais pas, no hago, y con la contraction es, tenemos algo como je fais pas, je fais pas. Je ne fais pas la vaisselle. Je ne fais pas la vaisselle, y a ser je fais pas la vaisselle. Faire la vaisselle es fregar le platon. Je ne fais pas la vaisselle, je fais pas la vaisselle. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, oh, tu fais pas, tu fais pas. Tu ne fais pas ce qu'il faut. No lo que se necesita. Hein? Tu ne fais pas ce qu'il faut. Oh Tu fais pas ce qu'il faut. Tu fais pas ce qu'il faut. Fais attention Cuidado Il ne fait pas. Il ne fait pas. Oh Il fait pas. Il fait pas. Il ne fait pas ce qu'il faut. Il fait pas. Il fait pas ce qu'il faut. On, oh, elle, ne fait pas elle ne fait pas elle fait pas elle fait pas elle ne fait pas que des choses bien ella no hace solamente cosas buenas elle ne fait pas que des choses bien on on ne fait pas on ne fait pas des choses comme ça no hacemos cosas así on ne fait pas des choses comme ça quand même nous ne faisons pas qui compte la misma irregularidad de prononciation Nous ne faisons pas Nous ne faisons pas nos devoirs Devoir est Nous ne faisons pas nos devoirs Vous ne faites pas Vous ne faites pas votre âge Vous ne faites pas votre âge Non, vous, vous paraissez plus jeune Vous ne faites pas votre âge Ils ne font pas Ils font pas ils ne font pas l'affaire ou ils font pas l'affaire ils font pas l'affaire elles ne font pas elles ne font pas ou elles font pas en français hablado elles font pas elles ne font pas ce qu'elles veulent elles font pas ce qu'elles veulent bueno el resumen ahora de lo que acabamos de ver con estas dos formas primera afirmativa del verbo faire que se disait « je fais »,« tu fais »,« il fait »,« elle fait »,« on fait »,« nous faisons »,« vous faites »,« ils font »,« elles font ». Donc ici, rappelez bien de la deux irrégularités, « nous faisons » et la seconde « vous faites ». La partie négative, « ne pas faire », se disait « je ne fais pas »,« tu ne fais pas »,« il ne fait pas »,« elle ne fait pas », on ne fait pas, nous ne faisons pas, vous ne faites pas, ils ne font pas, elles ne font pas. Alors, c'est fini. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, écrivez-moi s'il vous plaît pour me le dire, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, moi je vous dis maintenant au revoir et bon français.